son arrivée sur le banc des Reds. À Southampton, au St. Mary's Stadium, s'imposer 6 buts à 1 avant de... dans cette double confrontation. Claude Puel, Cédric, Bertrand plus exactement, Van Dijk, le bon ballon fouetté, Sadio Mané qui est absent. Liverpool reste sur une belle série, deuxième on l'a dit, hein, de la première ligue derrière Chelsea. Clavan ne prend pas de risque, pas de faute, passe quand même Lallana, et on ressort avec Van Dijk. Maya a eu deux matchs. Et les hommes de Jürgen Klopp vont devoir être gauche. Un peu trop écarté là de la part de l'ancien Lyonnais. Et Emre Can. La tête d'Emre Can. Pas éloigné par Tadic. On insiste avec une nouvelle tête. Attention à ce ballon compliqué vers Karius. Le dégager devant Rodriguez, pas de faute de Van Dijk. Boufal, blessé au genou, qui le prive lui aussi de la CAN, international marocain. Cette confrontation dans cette compétition entre les deux équipes, un classique. Un 5-0 à l'extérieur notamment, face à un club moins bien classé, Burton Albion. Klein. Un bon jaillissement. Deux parades décisives de Loris Karius, le jeune gardien allemand de Liverpool, qui a dû s'incliner sur offensive pour Southampton. Il faut écarter maintenant le centre de Milner, la tête de Van Dijk. Klein. Lovren. Un peu de panique, dès qu'il y a de la pression, il y a de la panique dans la défense de Liverpool. Ça appuie sur Lallana, combine avec Sturridge, à la lutte avec Van Dijk. Van Dijk Davis, en position de débordement, le défenseur central néerlandais, le centre fort. Oh, ce ballon pour Sturridge, était subtil, Yoshida bien placé. Pour Daniel Sturridge. De souffrance, 4 minutes pour préserver ce but d'avance et les Reds vont pousser pour essayer d'égaliser. Un long ballon, Yoshida, ils se sont gênés avec Van Dijk. Le 25 janvier prochain à Anfield pour la demi-finale.